maman, ça tue. Ah ouais. A couper papa, à couper. A couper maman, à couper. A couper papa, à couper. A couper maman, à couper. A couper papa, à couper. A couper maman, à couper. De Mutumba. En RDC, l'excellence, Kamel Chitea, Moulopoué. Na seka kananzi kinzi kite Sena maloba ya bolingo Metoli anaino bolingo Toko melama ya bomengo sima Oebi nenge to banda kili solo na biso Tozalaki na harmoni ya bomoko Oyo kanda peko batela bolingo Na biso na likunya Le colonel Rausa Et Nandinge Tozalaki Le plus proche Et le plus influent du ministre Nana Jet Set L'immortel Dadi Soso Ah ouais Oye bindenge to banda kili solo na biso Fiston mama ne Zalaki Poma bango na bilengi piti na ma Tutu roba Mwane komorafa Na biso Mwana mama Nalikunya Namasoyo tomona na moka kiteko lima Nandenge To zalaki Moi puis José Daoniko Yebaka Maître Vincent Gomez Yebisa au Chombe Mondial Pour ne... Emile Moukanya Bonsoir les L.E.J. pour Lucie, c'est vous, Elisa et Juliette. Le public vous a découvert en 2015 sur Internet avec vos reprises et une vidéo qui a été depuis visionnée par 74 millions de personnes, en tout cas 74 millions de vues. Quelques années plus tard, vous revenez avec 12 chansons inédites. L'album Poupée Russe est sorti hier. Ce titre, c'est aussi un clin d'œil à Alain Bachung. Oui, il y a une phrase qui est clin d'œil... à Alain Bachung et qu'en fait à double sens parce que le fait de dire on prend des trains à travers la plaine évidemment c'est une référence à sa chanson La nuit je mens, c'était logique vu qu'on parle de la nuit et à la fois il y a le double sens de nous on prend des trains à travers la plaine Saint-Denis, on prend le RER tout le temps donc, ouais, c'est une référence à la Bachung aussi hein. Alors je le disais, vous étiez surtout connu pour vos reprises, cette fois ça y est vous avez votre propre album, c'était important pour vous de prouver que vous étiez aussi capable de créer vos propres chansons? C'était important. Après, on n'est pas, c'était pas forcément pour prouver quoi que ce soit. Notre album de composition, on voulait le faire depuis longtemps. Mais il est attendu. Ouais, c'est vrai. Mais après, oui, bien sûr, on est contente et on a hâte d'avoir les critiques. Et c'est un challenge qui est autre que de faire des reprises. Mais voilà, on l'avait en tête depuis bien avant que ça marche pour nous, quoi. Ouais. Et en quoi il est particulier cet album? C'est nos propres tripes qu'on met sur la table, en fait. C'est pas le même process et du coup, forcément, c'est pas le même résultat. Et on a tout composé, la musique, les paroles, en français du coup. Oui, je rappelle que vous êtes aussi musicienne, vous chantez, mais vous êtes aussi musicienne. Ouais. Ça. Alors, l'album s'intitule Poupées Russes. C'est vous en fait, les Poupées Russes. Oui, vous êtes inséparables. Vous définissez comme un trouple. C'est vrai qu'on a dit ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un trouple? Un trouple, ouais, j'ai dit ça hier dans Le Parisien parce que c'est un couple, mais à trois, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on fonctionne un peu comme ça. Je pense qu'il y a les mêmes... Les mêmes enjeux, les mêmes disputes, le même amour qu'entre deux personnes, sauf qu'on est trois et on est amis, mais comme mais des sœurs. Ouais. Du coup, c'est vrai que tout est mélangé avec le côté musique, le fait qu'on soit collègues et amis, et voilà ça. Oui, vous êtes connues toutes petites, disiez à la crèche. C'est ça. Après le lycée ensemble, et puis c'est ça. Et puis maintenant, on est inséparables, imbriqués aussi, imbriqués. Oui, complètement.
C'est impossible qu'il y ait un événement qui touche une seule des trois sans que les deux autres réagissent derrière, en fait. Ça explique votre harmonie, j'imagine. Je pense, ouais. Ouais. Alors, votre univers, c'est un mélange de hip-hop, de rap, de rythme urbain, de musique classique, de chansons françaises. Votre album, c'est un hommage à toutes vos influences, à vos influences. Oui, c'est ça. C'est comme ça que vous le vouliez. C'est un hommage et en même temps, c'est les reprises. On était très contentes de les faire pour voir jusqu'où on pouvait aller avec des voix et un violoncelle et chercher notre style et justement mélanger toutes ces influences-là, d'où les mashups et d'où le mélange. C'est un mashup pour les téléspectateurs. C'est un mélange de chansons. Voilà, c'est plusieurs chansons qu'on met dans une seule chanson et à chaque fois on avait des influences différentes et donc là c'est vrai que. Sur cet album, en fait, cet album, c'est un mash-up géant de toutes nos influences. Après, c'est vrai que les premiers albums, en général, on a envie de tout mettre et de montrer tout ce qu'on peut ou tout ce qu'on sait faire. Donc, oui, parce qu'il est éclectique, justement. Ouais, il est assez. Tant mieux. Tant mieux. Très beau complément. Merci beaucoup. Alors, vos chansons parlent de la société d'aujourd'hui, de l'addiction aux réseaux sociaux, du danger du buzz, du féminisme. Vous dites, entre autres, quoi, sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polie, etc. Quel est le message? C'est le en général. Oui, c'est pas nous. C'est le en général de la femme. Après, on est des femmes, donc forcément, on écrit comme des femmes. Et ce message-là, c'est plus, je pense, ce qui se passe pour un peu tout le monde, en tout cas, peut-être beaucoup dans le milieu artistique. Quand on est une femme, on a beaucoup ce truc de « sois belle et tais-toi », en fait. Dès qu'on s'engage un tout petit peu quelque part ou qu'on a un mot un peu plus haut que l'autre ou qu'on paraît soit trop sûre de nous, soit trop heureuse peut-être d'être là. Non, faut... fais ton métier, sois belle et tais-toi, maintenant. Et du coup, il y a le petit jeu de mots « poly » et « se taire » et « polyester » plastique. Plastique, quoi. Mmh. Poupée. Alors, c'est quand même un album assez engagé. Il y a quand même quelques chansons qui sont engagées. Marée, par exemple. La Marée. Vous m'en parlez? Vous aimez bien cette chanson. C'est votre préférée, vous. Ouais, j'adore cette chanson. Bah, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on a pas forcément les mêmes interprétations pour les chansons. Donc, pour moi, La Marée, c'est un peu une migration intérieure. Et en même temps, c'est une chanson qu'on a écrite juste après les attentats du 13 novembre. Donc, c'était un moment où, on avait peur. On avait peut-être moins envie de sortir. On avait peut-être envie de quitter, quitter Paris, quitter ce pays, et en même temps, c'est un peu un... C'est un peu une chanson qui dit que, enfin, en fait, je pense qu'on se dit à nous-mêmes. Après, c'est vrai que, comme dit Lucie, on aime bien le fait que les gens puissent s'approprier les textes de façon différente et les interpréter comme eux, ils ont envie de les interpréter. Mais c'est vrai que cette chanson, c'est de se dire, pour l'instant, nous, on n'a pas ce besoin vital, en fait, de quitter notre pays pour rester en vie. On n'en a pas besoin. On a la chance de vivre en France. Mais voilà, quand il s'est passé tous ces attentats, depuis qu'il y a une guerre idéologique qui prend le dessus, forcément que les gens se mettent à flipper et on se demande, mais est-ce que le jour où nous, on devra partir, peut-être que là, on comprendra vous que... Oui, mais vous avez raison, ça donne... on peut l'interpréter autrement. Moi, ça m'a fait penser aux migrants, par exemple. Oui, c'est ça. Alors, vous vous êtes connue petite dans la même rue à Saint-Denis, vous y vivez encore. C'est aussi dans cette vie que vous puisez votre inspiration? Oui. Et c'est tout là le paradoxe. C'est une ville qui bouge, qui est dynamique. Et puis nous, on a grandi toujours à Saint-Denis, mais on était en horaire aménagé dans des écoles à Paris. Donc en fait, c'était aussi tout le paradoxe de venir de banlieue et d'être à Paris. On était trop banlieusarde pour les Parisiens et trop parisienne en banlieue. Donc c'était tout ça. Et c'est vrai que les influences hip-hop, rap, slam, on les a puisées évidemment à Saint-Denis. Ouais. Et puis après... Malade notamment, oui. Ouais. Alors, j'ai une faveur à vous demander pour nos téléspectateurs. Vous pourriez nous offrir un bout de refrain a cappella d'une de vos chansons? Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Ok. La vie défile vite, on s'épuise à trop se battre, viens, on défile vite. Acrobate, la vie défile vite. On s'épuise à trop se battre, viens, on défile vite, acrobate. Ouais, vous avez vraiment de la complicité, comme des sœurs, je confirme. Alors, merci pour ce moment. Ravi de vous avoir reçu. Information pour vos fans, vous êtes en concert à partir de septembre prochain et le 26 octobre à Paris, salle Playel. Natacha et Dario Sampolo. Amasena comme Areska, Père Bomba, Hiroshima, Nagasaki. Yvette Kinga et Nito Kombo. Comme dire ne pas faire dans tes songes, n'y a que mon sang. Sambo Nalata, ma pressing Matios. Maman, les dépêches de Brazzaville.
Yeah.
Bob, Bokelo na Toronto. Mais depuis Betty Richard Arizo, Rebetana revient à moi. Revient à moi. Papa est Tchatcho, donc Mkolo Tchatcho, Kofi Olomide. Ozarani Tilelo, na quartier la Terre Fashion. Mais Betty Azolo Banoni. Bon vieux. Déjà la rue, ça Oli, au Komi. Ah, viens en bois. 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 Déjà, maintenant Richard arrive. Quand il est posté à mon vieil mot, quand on a cinq avis, tu vois. Vieil mot, à poster mon man à la chaîne, il y a qui a commis, on a tout le monde qui s'est abonné là-bas. Ouais. Déjà, en tout cas, merci, Père. Et tout le monde. Père, il y a tout le monde qui a tenu la guillée. À poster à grand-mère. À poster, tu vois. À regretter, tu fais arriver ta maman à fashion, à café, à ta fashion. À fashion, on a le groupe, on a l'idée à l'album, tu vois. Non, il y a un concert, il y a un live carrément. Oui, tu es peut-être la mère dans la vie. Ok. Mais sauver la vie au Chabanzembo, Mais pourquoi la carte est tout ce que tu as au Chabanzembo? Au Chabanzembo, tu as la carte. Mais ça, tu es au Chabanzembo. Pourquoi? Chabanzembo, c'est qui tu es venu? Là, il y a un moment où un vieux, il y a un peu de temps. Après, tu es un mec qui est banni. Maman, c'est pour ça que tu es au Chabanzembo. Soleil à Chanzembo. On a écrit dans mon dire, mais là c'est pas là la montée. Bon, c'est mon cas, il y a un peu d'attention à être victime. Ouais. Ah ouais, et maintenant, ouais. Libre parcours. Ouais, libre parcours, nous avons rien. Ok. Donc, il y a qui n'a carté la terre pour attendre au côté. Ah ouais, on a tiré au côté. Mais qu'est-ce qui a fait que on a carté la terre? Quand on est aux gens, on a changé pour bien. Quand on a carté la terre, on a monté dans la terre. Donc, carté la terre. On a profité. Ouais. Mais il y a des liens de ou bien il y a. Il y a des liens pour. Il y a si pour jazz. C'est un limité. La volonté vieillement. La volonté vieillement. Parce qu'il faut me faire un petit peu de temps. Pour vivre dans sa liste. Ouais. Tchaï. Si vous avez un poteau, vous avez un fagat. Vous avez un peu de temps. La siège n'a aucun. Oui. Après répétition. Après répétition, à 10h. J'arrive, on arrête 16h, 22h, 6h. Mais viens, 23h. On va aller les repasser. Après, on a souk à la mousse du bord, donc il y a eu le temps, à mon temps, il y a eu le casserole. Il est né. On va attendre dans le souk, à sauter, à sauter. Ebi minga na butu na kotambola to na koluka Esika nini e azali na ngonga oyo Ezali bino basi Neboko misaka biso mitunga yi Eske ebonga kina zala na bino mitano Pona kambola ka chagra Ngai na vandeli o kimia na lakisi anga bolingo Kasi ozongi selinga minyoko na motema Baninga bako tunanga imushe ni bonyoko kondo boye Gaiko malade teo Ezalise mabazo ya eke na munga na lingaka Mabazo ya koeme Eleke linga na motema
santé bandikoya Tokoma samedi santé boyiso to mama Koliana pansi kola la pase mama go Vandelion qui mien dans la kissi en de bolingo, Cassio zongi selinga mignon corps dans mon tema. Baninga bako tunanga y bouche ni bonio kokondo boy. Gaiko malade théo, et zalise ma banzo et kena munga na lingaka. Ma banzo ya koeme, et le kelinga na mon tema. La monini boye vendredi malamou santé bandikoya Tokoma samedi santé boye soto kola la passe maman go Azongeli ba muyuna ye akala ya kobimata soki na ebite boale Nitenyo soya bolingo Esili pasi nanga mouche Ni veye rechange Mon porte de mou Nita Aï mouche ni wili La zana pasi Lobi konanga Eza sena yo Aï nitenyo soya bolingo Esili pasi nanga mouche Ni veye rechange Mon porte de mou Nita Aï mouche ni wili La zana pasi Lobi konama ezase na yo Bayini tenyo soya bolingo Esili pasi nanga mouche ni vere chanje Mon konte damu nita Bayi mouche ni wili nazana pasi Lobi konama ezase na yo Bob, Okelo na Toronto.